Salut les gens, ici Mérimée et on se retrouve tout de suite pour la suite de Astéroïde chapitre 4. On va se relancer dans l'action tout de suite maintenant, et sans plus attendre parce qu'on a encore plus de méchants à péter et encore plus d'ennemis à dégommer. Et évidemment, ça va pas s'arranger au niveau facilité. Chapitre 4, ですね。ここまで来られたのは強行という他はない。 Super EX! Wow, putain, ça commence à devenir coriace, hein. Oui, ma vie, là, par contre, vous voyez qui remonte, là. Oui. Ça commence à devenir quand même coton, hein. でも、なんとか戦えるぜ。さすがクロスブリードだな。さっき取り乱してごめんなさい。いや、実はちょっとだけ嬉しかったんだ。ヘイオは確かにルーキスになっちまったけど、人間性まで失ってるわけじゃない。大切な家族のためにちょっと無理して頑張ってる普通の女の子なんだって分かったからな。侵害だわ。あなたにそんなこと言われるの。 Ah donc comme je vous l'avais promis, hein, je parlerai assez peu durant ce genre de phase, sauf si c'est vraiment nécessaire pour vous expliquer quelque chose ou quoi. Couper, hein, tout simplement. Donc c'est vrai que il y aura très peu de commentaires au final sur toute la série parce que. L'histoire et son emploi s'expliquent d'elle-même. Alors pour moi j'ai des petits sauts de son, alors je suis désolé, ça je sais pas pourquoi ça fait ça. Et je crois pas que je puisse faire grand chose dessus, donc voilà, bon, on pourra faire avec malheureusement. Ça c'est qu'un tout petit laps de temps, c'est pas gênant.私たち自身が本当に枯れ、かすめきれない暗い荒がった。でも、未完成だったこの機体では、どうすることもできなかった。一つしくじるたびに、いつまもの命が消えていった。私は、絶対に負けられない戦いを、何度も何度も負け続けたのです。そして、 最後のそれを失った時、気がついたら、あまたの情報を知っていた生かした私の力が、カイルーンのシンギラリティをとっくに超えていること。遠いうち、泣いているピオがいる。ピオもパパを守れなかった。これが結末なの。私たち家族に与えられた。 Donc voilà, donc on apprend que les crossbreed et donc que Esto et Fio pilotent chacune une machine qui sont en fait une sorte de mecha extraterrestre en fait, qui permet de faire en gros d'altérer la réalité comme le voudraient les filunes. En créant le Lucky System. お前のことは調べたわ。ロイ・ベケット。軍属じゃないのね。興味を持ってくれて光栄だね。ただの民間人でもない。レイド・ユーバーノリとしての訓練をパパから直々に受け。伝説の病。グラートのもう一人の忘れ方。そう。 だからここまで来られたのよ、姉さん。姉さんなんかじゃない。ちゃんと私を呼んで、ミオ。ずっと私は後悔してた。ここなのに、どうして私だけ、私のことと気づいて、こんな思いはしなかったのに。そんな、呼びなさい。もともと私たちは同じだった。二人のシンクロにしていいんだ。
Ah, donc on apprend donc que si Esto et Fio, on va dire, se synchronisent, ils peuvent littéralement altérer la réalité elle-même, hein, sans problème. Et que ça a l'air d'être ce que cherchent les fibules en fait. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que les deux trucs qui tournent là autour, là, vert et rouge, en fait ce sont des téléporteurs. Ce qui fait que si je tire dans l'un, enfin si je tire dans le vert en fait, ça ressort par le rouge et ça ressort, bah ça m'inflige des dégâts. Enfin, par contre, on va peut-être spammer un peu plus parce que là j'avoue, oula. Oula, putain, je fais pas de dégâts là, c'est pas normal. Hop, allez. Alors ça a beaucoup de vie hein, ce boss, ah, je crois que c'est l'un des boss qui a le plus de vie, c'est juste dégueulasse. Allez, on spam. Vous avez vu, il y a un compteur qui se trouve en haut. Le compteur, enfin c'est un timer, on va dire ça, un timer. Ce timer en fait permet d'obtenir, on va dire, des points bonus si l'ennemi est tué dans le temps parti. Si c'est pas le cas, et ben pas de points bonus. Mais on n'aura pas de pénalité autre que les points pour ne pas avoir vaincu le boss. Enfin, pour ne pas avoir vaincu le boss dans le temps parti. Aïe, oh putain. Hop, allez, encore un peu. C'est bon. Oh putain. Ça a été un poil compliqué. Et donc voilà. Donc ce. Eh oui, ce chapitre se termine en plein milieu de l'action. Eh oui. Et donc on va donc s'arrêter là. Et on va donc se retrouver juste après pour la suite de l'aventure sur Astébril. Allez, à bientôt les gens. Fire! Boom! Oh là, c'est beau. Allez, on se retrouve plus tard. Oscar.